Bonjour à tous, pour ce mercredi 29 mai, je vous propose un tirage de journée avec les chemins de Lulu. Je vous laisse choisir parmi ces deux cartes, je vous ai mis des petits dessins, des symboles éventuellement pour vous aider à choisir. Puis je vais vous retransmettre donc le message de la carte qui vous accompagnera ce mercredi. Alors nous allons commencer. Pour ceux qui choisissent la première carte, qui est à gauche, vous avez la maturité. Vous êtes désormais prêt à accéder à l'ici et maintenant. Votre base est solide, vous n'avez plus besoin de ces allers-retours entre nuit et jour pour sentir la vie en vous. Vous acceptez le sombre et la lumière comme simple pulsation de vie. Votre créativité en toute chose se développe sans effort particulier. Récoltez les fruits de votre labeur, vous le méritez. Cette carte, elle vous dit que vous avez bien travaillé, labouré, semé, arrosé, et c'est l'heure des récoltes. Tout est en place, ayez confiance. Voilà pour vous. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, la carte à droite, c'est la carte dialogue intérieur. Soyez à l'écoute de votre dialogue intérieur entre votre aspect féminin et votre aspect masculin, ou entre toute autre facette opposée de vous-même. Ces messages contradictoires vous perturbent, vous vous croyez écartelé entre eux, vous pensez devoir faire des choix entre l'un et l'autre, pourquoi? Regardez-les, écoutez-les, ils échangent avec amour et respect. Aucune soif de pouvoir et de domination. Leur dialogue est votre guide. Cette carte, elle vous invite à accepter vos contradictions. En les acceptant, les accueillant avec respect, sans jugement, vous leur permettrez de faire leur travail en vous. Soyez patient, c'est un signe de changement. Laissez du temps au temps. Cette carte, elle vous dit que vous avez le droit d'hésiter, le droit de douter, le droit d'être indécis. Ne cherchez pas à précipiter l'heure des choix, en étouffant l'une ou l'autre de cette petite voix dans votre tête. Voilà pour vous pour ce mercredi. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à bientôt.